était avec un homme qu'on appelait Basile. Ici, c'est qui? Basile. C'est lui qui venait. Maintenant, regardez. Yes! Regardez. Je vais vous montrer quelque chose. Basile, c'était qui? Basile, c'est mon mari. Basile, c'était qui? Basile, c'est mon mari. Il est où? Il est ici, à Douala. Vous êtes toujours ensemble? Oui, papa. Vous vivez ensemble? Oui, papa. Lui ne vient pas à l'église? Il ne vient pas. Pourquoi? Il dit que vous pleurez. Il combat. Vous pleurez? Oui. Est-ce que vous pleurez? Oui, papa. Vous pleurez? Oui, papa. Vous n'êtes pas heureuse? Non, papa. Il regarde la télé? Je ne sais pas s'il est déjà du retour du service. Il y a des jours où il regarde. Jérémy Logué. Maintenant, regardez. Vous voyez, je voudrais prier pour vous. Pour votre mariage, je peux le faire. Oui, papa. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut prier pour son mariage? Oui, papa. Nous sommes ici pour réparer ce qui ne va pas, ta vie sentimentale, les erreurs que le diable a introduites, là, on corrige tout ça là. Maman, mettez-vous debout, je vais vous dire quelque chose. J'ai déjà causé avec vous un jour. Non. On n'a jamais causé. D'accord. Je peux vous parler sur une ou deux choses, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes prête à ce que je vous parle? Oui, parce papa, que je vois votre cœur très blessé. Votre cœur est très blessé. Très blessé. Votre cœur est sérieusement blessé. Vérité, papa. Votre cœur est blessé au point où, même sexuellement, ça ne va pas dans votre maison. L'ange de Dieu m'a amené dans votre maison. J'ai vu des choses que je ne veux pas parler parce que c'est votre intimité. Sexuellement, ça ne va pas. C'est-à-dire que, alors je parle, vous êtes presque, on a dit, frigide. Papa, c'est vrai. C'est vrai. Elle est frigide. À cause de la manière dont son mari se comporte vis-à-vis d'elle. Pourtant, c'est une très bonne femme. Moi, je ne comprends pas comment un homme, tu trouves une fille, vous êtes bien. Demain, tu changes, tu la maltraites. On ne fait pas ça, mes amis. C'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Que Dieu change nos cœurs. C'est-à-dire, tu ne maltraites. Comment vous pouvez maltraiter un être humain? Mais, maman, je vais vous demander une seule chose. Est-ce que vous voulez qu'on prie que ça s'arrange? Parce qu'il y a une décision dans son cœur. Elle a une décision qui est un peu compliquée. Elle est trop blessée. Non, si c'est compliqué, vous ne parlez pas dans le micro. Je veux pas que votre mari voit ça un jour et ça cause tout le problème. On va arranger. Parlez-moi à l'oreille. Bon, elle a dit qu'elle veut que ça s'arrange à cause des enfants. Yes. Je vous dis quelque chose. Vous savez pourquoi votre foyer a été détruit? Non, papa. Vous savez pas, n'est-ce pas? Oui. Le troisième témoin. Aujourd'hui, je vais vous révéler. Amen, amen. Elle ne sait pas pourquoi son foyer est gâté, n'est-ce pas? Yes. Je vais lui révéler pourquoi. L'esprit de l'Éternel m'a emporté. Comme Jean a dit, Genomen, un peu de match, un peu de courrier, qui est aimé, qui est aimé, qui est aimé, qui est aimé, qui l'esprit de Dieu m'a amené. Et j'ai vu votre foyer. Quand vous vous êtes marié, vous étiez comme ça. Les gens vous enviaient. Votre maison et Dieu vous avait béni financièrement. Quand vous avez connu votre mari, il n'était pas financièrement béni. Dès que vous êtes marié, sa vie a changé. Et il vous a dit que c'est parce qu'il vous a épousé que sa vie a changé. Il sent que vous êtes la femme de sa vie. Vérité, papa, vérité. Vérité, papa. Mais quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Dans ce bonheur, vous aviez une amie à vous qu'on appelait Madeleine. Que vous amenez à la maison chez vous. Et votre amie Madeleine est allée dire à votre mari que vous le trompiez. Non, attendez, madame. Votre amie Madeleine, qui était comme votre soeur. Et à l'époque, il y a un monsieur qui vous draguait, qu'on appelait Eric. Et vous avez refusé monsieur Eric. Et Madeleine est allée dire à votre mari que vous sortez avec monsieur
Eric. Pourtant vous avez refusé. Hein? Oui, papa. Pourtant vous avez refusé. À partir de ce moment, votre mari a gardé ça dans son cœur. Il vous a regardé comme une femme infidèle. Lui aussi a commencé à regarder dehors. Papa, il a fait l'enfant dehors. Malgré tout, j'ai accepté. J'ai récupéré l'enfant. Papa, j'ai eu affaire des investissements qui n'étaient même pas au courant. Quand il est au courant, je lui dis, voilà, c'est par rapport à ce que je vis. C'est pour protéger le patrimoine familial parce que je ne me sens pas en sécurité avec toi. Papa, je sais chercher l'argent. Et quand je cherche, le Seigneur me donne. Mais je ne peux pas. Je suis dans l'incapacité de lui montrer. Parce que je me sens menacée. Je ne suis pas en sécurité. Maintenant, vous comprenez? Vous comprenez ce qui s'est passé pour que vous retrouviez là? Oui, papa. Quand vous allez rentrer, dites-lui que je sais que Mado est venue me charger chez toi. Elle m'a accusé chez toi. Mais je veux que tu saches une chose aujourd'hui. Je suis innocente. Vous suivez? Oui, papa. Dites-lui, je veux que tu saches que je suis innocente. Et qu'elle t'a menti. Et que tes décisions que tu as prises me concernant jusqu'à aller dehors. Parce qu'il n'était pas comme ça au début. Jusqu'à aller dehors. C'est sur un mensonge. Et tu lui dis, tu te mets à genoux, tu lèves de deux mains. Que si je suis sorti avec Eric, que Dieu te justifie. Mais si je ne suis pas sorti avec cet homme, Dieu me justifiera. Et qu'il ramène ton cœur. Amen. Amen. Yes. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez jusqu'où ton ami peut être jaloux de ta bénédiction? Yes. Madeleine, vous savez où elle est maintenant? Hein? Je ne sais pas. Vous êtes séparés, ça fait longtemps. Oui, regardez. Maman, à partir d'aujourd'hui, hein, oui, papa. Soyez sélectifs dans vos amis. Papa, je n'en ai même plus. Oui, soyez sélectif. Depuis que j'ai commencé les voyages, je n'en ai plus. Soyez parce que je suis une femme d'affaires. Oui, soyez très sélectif. Soyez très sélectif. Dieu va vous restaurer. Amen. Yes. Quand vous allez parler à votre mari, l'ange de Dieu va prendre possession de son cœur la nuit. Amen. Yes. Amen. Il ne dormira Amen. Pas cette nuit. Amen. Amen. Il ne va pas dormir, je vous dis la vérité. Votre mari ne dormira pas la nuit. Et ce que je vous dis, hein, ce que je suis en train de vous dire, Dieu a déjà mis quelqu'un à côté de lui. Il a un ami qu'on appelle Vincent, qui est son ami, qui est comme un collègue à lui, qui lui parle de vous, qui lui a déjà parlé de vous, qui lui a dit que ce que tu fais à ta femme n'est pas bien. Oui, papa, il me dit qu'il a un collègue, pasteur, oui. Tout le temps, qui dit qu'il a de la chance. Lui-même, il me dit qu'il a eu de la chance de m'avoir, que si je n'étais pas dans sa vie, il serait déjà mort. Parfait. Parce que je prie tellement, même quand nous avons des différends, quand il sort, je mets mes genoux, je demande au Saint-Esprit de le garder. Parce qu'il est au fort, ça fait des années. Quand on renvoie les gens, il est toujours là. Et il me dit, je sais que c'est grâce à toi. Mais je ne sais pas pourquoi, le mariage. Quand vous allez lui parler, son cœur changera. Amen, amen. Et vous me l'amenez ici. Amen. Yes. Et je varon. I'm sorry for. Pour ce romero. Serré. Le foromaro.